Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Plus haut niveau, par la question de l'insécurité, en tant que citoyen, et aussi en tant que commandant en chef de l'institution policière, je ne peux que féliciter les initiateurs de cette activité. Il convient toutefois de souligner que dans les domaines sur lesquels s'étend le sujet, le rôle de la presse dans la lutte contre l'insécurité et comment appuyer la police nationale d'Haïti sont si étendus qu'il paraît quasiment impossible de prétendre épuiser les questions qui en découlent en une seule journée. Donc, espérons que cette conférence débat ne sera qu'une première de la catégorie des réflexions publiques visant à aider les citoyennes et citoyens à mieux saisir la problématique. Mesdames, Messieurs, juste avant de prendre congé de vous, je rappelle que la presse a toujours été et continue d'être un partenaire indispensable dans l'élaboration et la mise en place des politiques publiques et des stratégies de sécurité. Selon le vieux dicton, celui qui détient l'information possède le pouvoir. De ce fait, la presse, en tant que gardienne de l'information, détient ce pouvoir. Il faudra compter sur son appui pour utiliser à bon escient l'arme de la dialectique dans la lutte contre la criminalité et éviter, dans la mesure du possible, des effets pervers. Enfin, je remercie l'Association des anciens étudiants haïtiens du Collège interaméricain de défense, spécialement le président, d'associer la PNH à cette initiative si louable. Sur ce, je déclare ouverte la conférence débat autour du thème « Le rôle de la presse dans la lutte contre l'insécurité et comment appuyer la police nationale d'Haïti ?» Comment la presse a aidé la police la question réseau d'insécurité. Moi, je pensais que si fait un tort et à la police et à la presse, si on a résoudre la question d'insécurité, la solution à uniquement la presse et à la police. Ce n'est pas ça pour moi la question. Pour comprendre l'insécurité, il faut comprendre toute réalité qui entoure l'insécurité. Je vais rapidement énumérer quelques réalités que moi-même j'ai identifiées, que sans doute nous tous l'avons identifiées. D'abord, l'éclatement de la famille, la maternité précoce, la maternité et la paternité précoce aussi. L'abandon prématuré de l'école, l'absence ou la faiblesse de certaines activités qui dépendent bien longtemps social. Pour des jeunes, qui dans les activités qui détournaient aux deux dérives qui ont entré là-dedans. L'absence ou la faiblesse de l'État, on a parlé longtemps de faiblesse de l'autorité de l'État, mais aussi faiblesse ou absence de crédibilité dans l'État. Ça, c'est un problème que lié. La justice faible, ça a englobé toute bagaille. On a parlé de sécurité ou insécurité. Ça, on doit prendre en compte. La montée des mœurs ou bien la perte des valeurs, tout ça, on va alimenter l'insécurité. Donc, ce n'est pas uniquement la police et la presse qui ont une responsabilité de sécurité. La présence de nouveaux biens de consommation. Je dis à téléphone cellulaire, sont sources d'insécurité liées. C'est-à-dire, tout le monde qui veut un téléphone, il va le voler pour le bien, donc il va le créer insécurité. Le bien, il possède, il y a un instrument dans la main qui va générer insécurité. Ordinateur. Dans le temps que moi-même, je tape levé des jeunes garçons, pas de courant téléphone cellulaire. Donc, pas de sécurité dans le domaine ça. Pas de courant ordinateur à la portée de tout le monde. Donc, c'est des facteurs qu'on prend en compte. Les activités criminelles qui ont multiplié qu'on y a là. Conséquence de la faiblesse de l'État, absence dans les ports, les aéroports, etc. fait que, il y a un paquet de barrières qui a passé entre sous nous, pas même en compte. Et, bizarrement, la presse va arriver sous lui. Qui ça, population jeune, particulièrement, a consommé dans la presse? Qui ça qui a sauté dans le pays étranger, qui a entré là, en termes de films, en termes de feuilletons, en termes de tout bagaille? Parce que c'est des questions pour nous poser, pour ne pas porter responsabilité et insécurité uniquement, encore une fois, sans vouloir dédouaner qui que ce soit. La police nationale,
ou la presse. Et puis, nous sommes étonnés si nous n'avons pas dit tout que l'insécurité est générée par l'activité politique dans le pays. Les pratiques politiques qui viennent dans le pays. Élections toujours contestées, crise politique, changer gouvernement avant terme, etc. Tout ça a alimenté l'insécurité. Pratiques qui viennent dans le candidat qui va dans l'élection, qui pour amener groupe, etc. Tout ça a alimenté question insécurité. Donc, au-delà de la complexité, ça me dit là, sociopolitique et économique de question phénomène insécurité, hein? Oui, nous avons posé question qu'on y a là, qui rôle que la presse a joué dans peut-être réduit phénomène insécurité. Hein? Oui, il y a des rapports, je vais souligner là, professionnels, des rapports professionnels capables d'établir et développer entre la police et la presse. En tant qu'institution, pas en tant qu'individu. Parce que dans chaque institution, ça y est, individu à l'intérieur de l'institution, ça y est, il y a des codes d'éthique qui régissent le comportement. Il faut nous clair dès le départ, la seule collaboration possible de la presse avec la police va permettre tout que vous matez phénomène insécurité, encore une fois, comme je dis, qui est très complexe. Collaboration, ça, si il doit exister, il n'est pas capable, il est capable de faire uniquement de manière institutionnelle, vous m'évitez. C'est-à-dire, il faudrait que la direction générale de la police, et au-delà du rapport professionnel, institutionnel, pardon, avec les médias, les propriétaires de médias, pas avec les journalistes. Parce que c'est propriétaires médias qui quittent les journalistes à parler dans la radio, ça veut quitter le balai. Donc, ce n'est pas le journaliste à vous parler, parler avec propriétaires médias. Car ce serait difficile d'établir des relations avec les journalistes. Ces relations seraient malsaines, tout simplement. Donc, ensuite, on te dit déjà, un problème d'éthique. Il faut que nous regardions dans les deux sens. Et disons-le tout de suite, la presse ne peut pas servir, Sergio Tétili, sans doute son Alphonse Tétili, la presse ne peut pas servir, les journalistes ne peuvent pas servir d'informateurs à la police. Ni journalistes ne peuvent pas servir de porte-parole tout à bandits. Ça arrive trop souvent dans la société noire que bandit au jeune micro, la presse. Maintenant, on a ce conseil pratique pour la police. La police doit informer. Le porte-parole est là. Toujours, il y a un petit point de presse. Il n'est pas suffisant. Toujours, il y a une conférence. Il n'est pas suffisant. Mais surtout, la police doit communiquer. Ce n'est pas informer seulement, non. Il faut la police communiquer. Parce qu'il y a une autre dimension dans la communication hein, qui s'allie. Faut la police apprendre à soigner l'image lui-même. La police a des actions positives que le mener, il faut le publiciser, il faut le montrer. Ok? S'il n'a pas fait ça, il met informé chaque jour sous bandit ou expression d'André qui blessé mortellement. Ou bien qui. On entend des questions ça dans la métropole l'autre jour. River, c'est à poser des questions ça. Comment on dit encore pour parole? Mortellement blessé ou blessé? Mortellement blessé ça. Bon. Ok? Mais la police me dit ça chaque jour, si la police n'a pas soigné l'image, les sous-salab feyo, a bien problème. La PNH doit publiciser donc ses actions humanitaires et communautaires. Par exemple, bon créneau que la police a utilisé, elle n'a pas utilisé, c'est la police et du pôle que je disais à l'heure là pendant l'absence de route là. Mais son action d'accompagnement, de sécurisation des écoles et des étudiants, si la police l'a multiplié pour le montrer, pour le communiquer sur lui, eh bien, a une meilleure perception de la police. Que ça gagne journée aujourd'hui à là, comme seulement une police répressive qui a blessé mortellement. La police doit soigner son image donc aussi à travers ses membres. Mes amis, c'est la première fois que vous invitez à parler avec la police et policiers, participer avec Pierre-Raymond Dumas, avec Eucher, excusez-moi le mot, non, ex-inspecteur général, ancien secrétaire d'État, etc. Nous participer dans une réflexion sur comment la police a présenté une meilleure image. Je m'a tout dit là pour une nouvelle direction générale et nouveau directeur là. Question de la police manger dans la rue, il dégrade l'image de la police là et il ne fait pas de respect. Pour la police, on a 7 cartons manger dans la rue, il a mangé. Ou bien pour un policier a checké point avec un qui est sur motocyclette. Tout le monde qui est sur motocyclette, la police a checké point avec lui. Ça veut dire qu'on connivence peut-être. Donc il faut apprendre un policier qui a un bel protocole face à une série de monde qui est dans la rue qui peut-être a des images très peu crédibles. Bon. On va développer tout le bagage ça. Mais force est de constater que sous terrain communication, la police a perdu terrain, tandis que le bandit a valé terrain. Pour qui ça? Par exemple,
très, très rapidement. C'est un grave déficit de communication que la police a gagné. Ce n'est pas parce que la police a déposé de force publique que le badoué informer et communiquer, non. Au contraire, c'est une obligation que le gagne pour le faire. Parce que communication intégrée de nombreux enjeux, promouvoir les services, promouvoir les activités, présenter les résultats et soigner l'image de la police et des policiers, au bien sûr la force dit tout à l'heure là, du directeur général à l'agent 1. La stratégie de communication capable inclut plusieurs apparitions dans les médias, certes. Mais qui entrer là-dedans, contrôler, mesurer, périodique, permanente ou périodique, pour maintenir une communication, une information permanente, positive, mais aussi cohérente. Médias représentent une arène politique de toutes les manières. Alors, exemple de tout à l'heure, sous la police qui a perdu du terrain sous question communication, est-ce qu'on imagine que des bandits ont construit l'hôpital, ils ont publicisé, ou pas comme ça la police a fait? Bandits intelligents, ils connaissent, il faut communiquer pour gagner. Complicité parfois, moun nan kati kote la fè, ça la fè yo, eh bien, il montre la construction de l'hôpital. Mais que fait la PNH? Qui action positive que PNH a mené, faut qu'il montre le tout. Bandi a séparé manger by moun. Et puis il montre sur tous les réseaux sociaux. Il circule en boucle. Que fait la police? Mais c'est la police qu'on va manger tout que le montre. Ou bien que l'entrée d'action sociale, ça, tout, faut qu'il y ait moyen pour le faire, pour le cap soigner, image li. Donc, nous ne pouvons pas quitter le terrain, bah, monde qui est illégal là, et la police ne paraît pas peureuse, tu vois, par rapport à Mounsaï, le plus audacieux. La communication, donc, ou l'information, dans son sens, capable de dire globalement comme ça, générique, ça rassure. Lorsque la police informée, lorsque le communiqué, il est rassuré. Moi, pour exemple simple, que je me dis, ouais. La police te mettait en image. Côté, deux policiers n'ont pas accompagné un grand monde traverser la rue. Très intéressant. Mais il faut imaginer ça multiplier sur l'ensemble du territoire. Ce n'est pas soumettre le son au grand ou au prince seulement pour le connaître, il est suffisant. C'est de la communication, l'homme dit communication, m'a répété encore, c'est de la publicité que lui. On a vendu un bagage. On a vendu une image d'un corps qui doit assurer sécurité du monde, qui doit protéger et servir. Donc il faut montrer et multiplier exemple de bagage à faire qui est positif. Si vous voulez rassurer la population, si vous voulez ramener la sécurité dans les esprits, il faut que donc nous parler avec la population, hein, parce qu'on gagne à tous les coups en communiquant. Maintenant, Mme Daguen doit dire, et pour communication et quotidienne que la police a fait et que le doué continue à faire et peut-être faire plus souvent, pas uniquement sous action que le posé encore une fois, il faut qu'il connaisse. Qui ça l'a dit? Quelque part, c'est la PNH, à mon avis, qui se présente devant la société, qui dit, la société, mais moi, je travaille pour vous, je fais des gros défis, venez de me réfléchir pour nous jouer des actions. C'est comme ça, moi, well. Par rapport à la formulation du sujet, le rôle de la presse dans la lutte contre l'insécurité, comment mieux aider, je suis tenté de dire ce qu'est la mission de la presse. La presse a pour mission, ou les médias ont pour mission, de fournir à leurs lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, une information rigoureuse, diversifiée et basée sur les faits, afin qu'ils se forment une opinion libre et éclairée. Permettez que je vous demande de souligner ces deux mots, opinion libre et éclairée. La mission, donc, de fait, confère à la presse, la mission conférée, fait du journaliste, du photojournaliste, du caméraman, du monteur, de tous ceux qui participent à la production et à la diffusion de l'information, quel que soit le média, quel que soit le médium, quel que soit le support, des gens, j'insiste, libres, formés, qui accompagne la société dans ses élans, dans ses aspirations à s'émanciper, à s'affranchir des obscurités, des servitudes, des violations des droits humains, notamment le droit à la vie, le droit, comme je le disais il y a quelques minutes, de circuler librement sans se faire assassiner, sans se faire enlever. La presse aide donc la société à jouir de son droit à l'information, de son droit de savoir. Elle participe à la construction de représentation,
relais des discours dont la maturation après constitution d'une masse critique peut provoquer des actions. Et je souligne également au profit du bien-être collectif. La mission de la presse lui confère de fait un rôle dans la lutte contre l'insécurité. L'insécurité, je le disais il y a quelques instants, c'est un sentiment que développe un individu par rapport à son analyse du niveau de risque encouru dans ses activités au quotidien. Il y a insécurité au pluriel. Il y a l'insécurité qui porte atteinte à la personne et au bien, il y a l'insécurité alimentaire, l'insécurité sociale, l'insécurité sous différentes aspérités, et chaque forme d'insécurité mérite une réponse appropriée. J'ai insisté il y a quelques instants sur l'importance du contenu. Nous autres de la presse, nous avons une responsabilité de réfléchir aujourd'hui plus qu'hier sur la qualité du contenu, de l'urgence d'aller au-delà du factuel pour comprendre les contextes des événements, pour mieux mettre en perspective les liens de causalité entre les événements. N'est-ce qu'il y a les âmes qui bandia, li pa ne bandi, ça que fait le vin bandi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été un échec scolaire, qui a été un échec social, qui a de la difficulté à s'intégrer ou à être intégré dans le tissu productif, à être quelqu'un qui rêve comme tout le monde à la mobilité sociale? Ce sont des questions inhérentes à ces approches de l'insécurité, pour nous comprendre qui s'acquitte mon là. Je crois aussi que nous autres, mettez tête Mélanie, et nous devons sortir du piège de la simple caisse de résonance qui confère, veut pas, une reconnaissance implicite au statut du criminel. Mais si c'était la donne, le recevons criminel, recevons bandit, ou mettez les oreilles publiques là, pour me bagarre, vous faites ce que vous partagez avec l'on partie de la crédibilité, et vous mettez les oreilles publiques. Toute information véhiculée provoque des attitudes et des comportements. L'information a un pouvoir cognitif. Quand vous soumettez un individu X, Y, qui a un passé criminel ou qui exerce des activités criminelles, dans l'opinion, on a un bagage. Donc il faut commencer ou être un petit peu plus attentif à ça, comme dit Lala, aujourd'hui plus qu'hier. Aux États-Unis, dans les années 30-40, la presse peut-être pas besoin d'attirer des lecteurs, donner des unes à des bandits. Mais à un certain moment de la durée, le pays, tout l'appareil idéologique américain a compris qu'il faut construire d'autres modèles. Policiers, bandits. Et on a construit dans le conscient des individus, dans leur imaginaire, que bon vagabond et bon bon monde. Et si je me fais un choix, ce n'est pas vagabond qui me choisit, c'est bon monde qui me choisit, c'est monde qui est là pour faire respecter la loi. Donc, quelque part, cette partie-là est importante et je crois aussi que la PNH a un effort à faire dans la construction de ses héros. Qui quantité de policiers qui levait, mais avec toute détresse, avec toute privation, il met uniforme dans son lit, peut-être ces dernières fois la beau madame ni, ces dernières fois la beau petite lit, mais il y a allé pour là le travail. Ce sont des héros du quotidien et je crois que la PNH, cette institution républicaine, se doit de mettre les projecteurs, d'honorer, de vénérer autant son DG que l'agent 1. Et ceci participera, je présume, au renforcement de l'esprit de corps qui, des fois, prend une frappe dans la PNH pendant les derniers temps. Les journalistes, nous autres, mes compères, moi-même, c'est le premier monde qui a pu connaître, nous n'avons pas toutes les clés, nous n'avons pas qu'à comprendre toute problématique. Nous ne sommes pas des puits de science. Nous nous exprimons, hélas, du lieu. Bah, le monde va chavem. Mais dans beaucoup de cas, nous nous exprimons d'un lieu non légitimé au point de vue académique. J'ai trouvé une façon diplomatique de le dire. Par rapport à certaines thématiques complexes et compliquées, il faut avoir l'humilité de recourir au service d'experts. Phone by plus expert parler. L'alignement de lieux communs de réflexion qui sortent de notre gros bon sens, pas assez.
dans le contexte ça. Il faut avoir le respect et solliciter le plus que possible l'expertise des psychologues, des sociologues, des criminologues, et je crois que c'est primordial. Il y a aussi une urgence d'un regard critique, objectif, sur la gouvernance en matière de sécurité. Aujourd'hui, je dois le dire, parce que il y a des personnalités qui siègent au CSPN, qui sont dans l'actualité de manière peu glorieuse. Ce sont des coups de téléphone avec un suspect dans l'assassinat d'un président. Ce sont des allégations d'implication dans un kidnapping. Ce sont aussi des lettres, notamment je fais référence à celle d'un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice qui indexe l'actuel ministre de la Justice. Donc c'est dans l'opinion, dans la perception, un ensemble d'éléments qui interroge, qui fragilise une gouvernance qui se doit d'être solide au-dessus de tout soupçon pour adresser les défis liés à la sécurité, pour combattre le banditisme, pour combattre la contrebande, pour combattre le trafic de la drogue. Nous devons avoir des gens qui sont au-dessus de tout soupçon. Je dois aussi reconnaître, malheureusement, que dans notre pays, dans la pratique de notre métier, il y a des gens qui ouvrent leur micro à n'importe quelle allégation. Ça affaiblit des personnalités qui ont besoin de sérénité pour faire leur travail. Mieux appuyer la police nationale d'Haïti, c'est, à mon avis, l'autre aspect de la question. C'est pas mon avis, c'est l'autre aspect de la question. Mais à côté de la gouvernance, moi je crois aussi qu'il faut poser question. Il faut réaliser des reportages, des enquêtes, des interviews sur d'autres producteurs de la sécurité. La police sont petits maillons liés à la production sécurité. Il faut la mise en place d'un ensemble de politiques publiques qui permettent la production de la sécurité. Et il faut comprendre, avant de parler de la sécurité, de la répression, il faut construire des communautés sécurisées, des communautés où il fait bon vivre, des communautés dans lesquelles céder aux sirènes de la tentation, céder à l'envie de prendre un Kalachnikov ou un T-65 sera de plus en plus difficile parce qu'il y a d'autres alternatives de mobilité sociale. Nous avons un effort à faire pour construire un autre Haïti citoyen de l'espoir, pour être plus simple et plus clair. Mieux appuyer la police, c'est la production, comme je le disais il y a quelques minutes, de production de contenu sur l'institution, sur le corps, sur la philosophie, sur ses mythes. Il faut avoir, plus de 25 ans après, le courage également de faire l'état des lieux de la police, la situation des hommes, des moyens financiers et logistiques. Aujourd'hui, la société haïtienne doit mener le combat, tant pour l'augmentation du budget de l'éducation nationale que pour le budget de la police nationale d'Haïti. Pour l'augmentation de ce budget, il faut que la police comprenne également la nécessité qu'il y ait un audit organisationnel, un audit administratif, un audit financier. Nous ne parlons pas des individus. Les individus naissent, servent, passent, mais nous parlons d'institutions. Et pour renforcer les institutions, il faut avoir cette dimension-là, il faut avoir cette volonté de trancher et de résoudre les problèmes. La police doit être respectueuse des institutions. La PNH doit être respectueuse. La PNH doit être respectueuse des lois. La presse a pour mission d'être quelque part ce chien de garde qui s'assure que la police respecte les droits humains, qui s'assure que la police ne torture pas, qui s'assure que la police fasse son travail de manière rigoureuse dans le strict respect de la loi et que la police trouve des moyens de s'affranchir des influences politiques qui ont été, depuis sa création, néfastes. La police là, t'es subi influence Lavalas pendant longtemps, t'es subi influence PHTK pendant longtemps, il faudrait arriver à un moment où nos hommes et femmes en uniforme se sentent en sécurité. Est la garantie de la mobilité, est la garantie que leur carrière, que leurs efforts seront valorisés sans avoir une accointance, un parrainage politique. Il faut faire cet effort pour sortir la police de l'influence politique. A voir si c'est nécessaire un secrétariat technique, retirer le directeur général, signer chèque pour occuper non de l'administration, mais de la sécurité. Pour le finir, ça c'est de tissu. Oui, me connaît. Il y a donc, je le disais il y a quelques secondes, besoin d'un secrétariat technique pour produire des réflexions stratégiques, pour faire des ajustements, réussir, gagner des batailles contre les bandits. Nous faisons expérience là, on doit gagner 1000 reproches pour la police. Mais al vivre dans la communauté côté par les policiers, c'est bandit qui est là. Ou à dim qui est déjà qui gagne, ou à dim si au beau plaisir n'est pas qu'à lever matin physio. C'est la société haïtienne que la criminalité interroge aujourd'hui. C'est
notre capacité ou notre volonté à construire des institutions qui est questionnée aujourd'hui. Tout à l'heure, là, nous vivons des temps spéciaux, des temps mais vraiment difficiles. Un président assassiné dans Chamonix, la PNH faillit, les entités qui étaient en charge de la sécurité du président ont failli. Il faut faire l'histoire de l'histoire, investiguer, instruire pour comprendre les défaillances afin de les corriger. Les Américains ont une approche très simple. S'il y a un problème, il faut faire le diagnostic pour résoudre. Et je crois que c'est comme ça qu'on a aidé la police nationale d'Haïti à avancer. Malheureusement, après défaillance, ça, vous mettez dans la catégorie 4, Donald Travel, Blanc, vous ne pouvez pas venir, vous mettez l'assurance, vous mettez si sécurité, pas ça. Nous, en tant que pays, nous avons une responsabilité, ça. Nous avons produit sécurité, nous avons une responsabilité, ça. J'en nous connais déjà. Moi-même, ancien député, 50e législature, Jean Wilson Hippolyte, qui participé dans le sommet Louisiane. Dans le pays États-Unis, sorti 13 pour arriver 19 janvier 2022, comme président CESOC, dans la tête d'une délégation pour te répondre à l'invitation de diverses personnalités et institutions de la diaspora, qui c'est aujourd'hui porte-parole accord unité Louisiane. Même Jean, l'autre 10 accords, t'es invité tout. Parce que c'est 11 accords qui existaient dans le pays là, qui déjà fait proposition sous crise là. Et il y a 2 accords qui étaient choisis, ils n'ont même pas participé, qui c'était Montana Penn, qui sont seuls, et accord 11 septembre. Après un pile discussion entre délégués et représentants, tous 9 accords. Nous arrivons à renforcer la conviction nous, puis bien, sous nécessité pour nous continuer de travailler ensemble, avec représentant l'autre groupe qui déjà fait proposition, dans l'objectif pour nous joindre une solution, dans le consensus pour sortir Haïti dans la crise. Qui donc? Louisiane, c'est un morceau dans la solution qui doit joindre tout de suite. Pour mener le pays à dans une transition tout coûte et puis organiser l'élection. Dans ce sens, nous avons précisé sous accord, disons, nous avons précisé sous 11 accords qui existaient dans le pays. Il y a Montana Penn, accord 11 septembre, accord 9 accords qui sont là, je dis, et qui déjà fait gros sacrifice, mais tête ensemble, pour nous aider à sauver Haïti. Haïti, pays nous. C'est pour ça. Nous invitons deux autres accords. Montana Penn, avec accord 11 septembre, Vinchita avec nous. Ou bien, invitez-nous. Chita ak yo pour joindre une solution pressée. Côté tout acteur yo fait dépassement pour aider Haïti sorti dans trou lié journée jodi a. En bas violence, en bas insécurité, kidnapping, corruption, impunité et la trier. Nous profitons de l'occasion pour nous féliciter toute personnalité et institution qui te prend l'initiative de réaliser le sommet Louisiane pour faciliter les Haïtiens à continuer à chita ensemble. Chapeau bas pour la diaspora qui ne peut jamais laguer Haïti dans tout moment difficile. C'est pour ça que je dis. Diaspora doit impliquer plus toujours dans la décision qui apprend dans l'intérêt du pays d'Haïti. Haïtiens tout partout sur la terre, Kachita n'importe côté pour discuter sur le problème Haïti. J'en sa fait déjà parce que nous songeons à quoi Governors Island, à quoi Cartagène. Dans la Colombie, à New York,
et la trier côté haïtien habitué chita ensemble en dehors pays a sous invitation diaspora ou bien partenaire international. N'a précisé après sommaire nous rencontrer avec deux groupes personnalités dans le département d'État américain. C'est Madame Jennifer Spendi, qui est directeur bureau département d'État américain sur Haïti. John Petroski, qui est secrétaire bureau député dans le département d'État pour la zone occidentale. Pour diaspora, pour ça le représenter pour Haïti, personne pas qu'à contester droit ça li gagner pour impliquer dans affaires pays et aider chercher une solution ensemble avec nous qui vivons dans le pays d'Haïti. Yon l'autre pas. N'a pas dit encore journée jodi a aucun secteur en Haïti pas gain solution pour contre lui pour sortir pays a dans crise là dans sens ça nous même représentant 9 accords qui présent là jodi a nous lancer un appel by tout l'autre compatriote yo qui dans Montana peine accord 11 septembre ak l'autre groupe organisé ak institution qui engagé sous terrain hein, pour nous chita ensemble pressé pour nous entendre nous sur route nous doit prendre pour commencer remettre l'état campé et puis travail pour institution yo reprendre escamp figu yo n'a demandé tout groupe ak institution organisé yo pour nous mettre ensemble dans gros combat ça tant coup accord unité Louisiane Montana peine 11 septembre chez Sénat comme institution conférence épiscopale la presse conférence Baroyo forum secteur privé secteur paysan, vaudou, catholique, protestant, association professeur et étudiant, et la trier pour nous sortir avec un seul accord qui c'est accord tête ensemble pour Haïti. Voilà. Merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.